magnifique visite du phare que je crois qu'on peut recommander à tout le monde. C'était vraiment très enrichissant et très agréable comme visite. Et je pense que c'est notre devoir de le faire, de divulguer tout cela pour qu'un maximum de personnes puissent se rendre dans ces lieux vraiment fantastiques. On me demande aussi d'excuser Mme Malleux, Mme Storm et Kevin Gossens. Voilà. Nous pouvons maintenant commencer nos travaux avec l'ordre du jour, qui est le point numéro 1, circulation routière. Plan communal de mobilité, approbation de la convention pour une assistance technique de la région Wallonne, mobilité et infrastructure, direction de la planification de la mobilité. Monsieur Matard. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, c'est un dossier que nous attendons depuis de nombreuses années. On a évidemment déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises. Ça faisait partie du programme d'ADN. Vous êtes en train de le mettre en œuvre, et c'est tant mieux. J'ai eu l'occasion de prendre connaissance du projet de prédiagnostic qui avait été présenté à la CCATM en janvier et qui relevait les différents problèmes qui allaient être soumis à l'analyse du futur soumissionnaire pour l'analyse du plan communal de mobilité. On a relevé notamment tout ce qui était les problèmes en termes de mobilité douce, de transport en commun, de routes et infrastructures, de stationnement, de mobilité, d'accessibilité scolaire, de mobilité alternative, de mobilité et d'accessibilité pour le domicile, le travail, le transport et l'accessibilité des marchandises et la sécurité. Donc de nombreux sujets qui potentiellement seront traités par le bureau d'études qui sera chargé de l'analyse. Évidemment, tous ces constats ne sont pas neufs. Nous avons déjà eu l'occasion de soulever la question à plusieurs reprises, tant ADN que les prédécesseurs CDH et Écolo, et probablement que d'autres membres aussi de la majorité ont eu l'occasion de parler de ce sujet. Donc évidemment, ADN soutiendra ce point de projet de convention avec la région Wallonne pour financer l'analyse du plan de mobilité, plan communal de mobilité. Mais malgré tout, jusqu'ici, on peut constater que très peu d'initiatives visant à favoriser la mobilité douce ont été mises en œuvre au sein de notre territoire communal. Je prends par exemple ici un simple exemple. On a seulement assez peu d'emplacements de stationnement pour les vélos dans le centre-ville. Et donc, j'ai eu l'occasion d'interpeller l'année dernière, fin novembre, au sujet de la mobilité douce, et j'avais proposé l'aménagement de zone 30 sur les cœurs de village et le cœur du centre-ville. Les réponses qui m'avaient été données à l'époque étaient très peu enthousiastes de la part du collège. Et donc, récemment, ici la semaine dernière, le VIF a publié un dossier sur la mobilité qui indiquait que les raisons les plus fréquemment invoquées par les usagers potentiels du vélo était le manque d'infrastructures pour 90%, devant la météo à 87%, et Dieu sait qu'en Belgique, on dit qu'il pleut souvent, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, le sentiment d'insécurité à 69%, l'absence de stationnement aussi, j'en parlais ici tout à l'heure, et même le relief. Et donc, cette collaboration qui est envisagée avec la région Wallonne, évidemment, c'est un plus pour la ville, puisque la région pourra financer à hauteur de 75% le projet d'étude, qui s'élève tout de même à 250 000 euros. En tout cas, c'est ce qui est planifié dans le budget de la ville. Et donc, c'est un soutien de la Wallonie qui est bienvenu. Mais nous sommes un peu comme Sœur Anne, nous attendons de voir ce que nous en ferons de cette analyse. Et donc, ma question sous-jacente, c'est de savoir si le collège a déjà prévu une ligne budgétaire pour pouvoir envisager les aménagements qui seront inévitablement recommandés par cette étude qui sera remise probablement d'ici 18 à 24 mois, selon le planning. Je sais que le GRAC notamment recommande un investissement de 20 euros par habitant et par an pour les aménagements de mobilité douce. Reporté à l'échelle de la ville d'Andenne, ça représente un budget d'environ 600 000 euros. Est-ce qu'on va vers ce montant-là, ou dans quelle fourchette est-ce qu'on va se trouver? En tout cas, quels sont les projets du collège par rapport à ça? Quoi qu'il arrive, ce sera un vote positif par rapport à ce projet de collaboration avec la région Wallonne. Je vous remercie. Mais avant de céder la parole à notre premier échevin qui répondra sur les volets qui le concernent plus, je souhaiterais rappeler
que le plan de mobilité figurait dans les programmes électoraux de tous les partis et que ce n'est pas, je dirais, une revendication d'ADN. Donc, dire triomphalement c'est nous, non, c'est tout le monde. Je tiens à le préciser pour la correction de l'information. Deuxièmement, ce n'est pas un plan de mobilité pour la mobilité douce, c'est un plan communal de mobilité pour toutes les formes de mobilité. Je crois qu'il faut le préciser. Il ne s'agit pas uniquement d'envisager la mobilité des piétons et vélos. Ce plan de mobilité était déjà à l'ordre du jour sous de précédentes législatures. Je tiens à rappeler, non pas sous la précédente, mais celle qui était encore avant, nous avions adopté en conseil communal, je dirais, la nécessité d'avoir un plan de mobilité, et ce dossier est resté 5 ans sur la table du ministre sans pouvoir nous revenir approuver ou improuver. Donc nous ne sommes pas responsables de la lenteur de ce dossier qui s'est enlisé dans les arcanes des cabinets ministériels wallons. Je crois que la vérité commandait de le signaler. Alors, sans empiéter sur ce que vous dira M. Sampaoli, vous dites, mais voilà, est-ce que vous avez les budgets, etc. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Ici, il s'agit de réaliser un plan communal de mobilité. Attendez qu'il soit réalisé. Quand il sera porté, ça va prendre 2 ou 3 ans, à la connaissance du conseil communal, il nous appartiendra de définir les priorités. En sachant, d'autre part, que si nous sommes à la manœuvre pour les routes communales, en ce qui concerne les routes qui sont principalement concernées, à savoir les routes régionales, ce n'est pas nous qui disposons des budgets d'investissement, mais la DG01, qui dépend du SPW, le service public de Wallonie, et dont les crédits d'investissement ne dépendent pas de la commune. Donc, pas de charrue avant les bœufs. Laissons travailler les experts qui vont être désignés dans le cadre d'un marché public et on verra bien ce qu'il en sera ultérieurement de la planification. Si on le fait, ce plan de mobilité, c'est pour l'appliquer un jour, mais chaque chose en son temps et sans précipitation. Un complément, M. Sampaoli ? Oui, simplement, donc, aujourd'hui, on propose la convention et l'intention du collège communal est de vous présenter le cahier des charges de marché de services lors du conseil communal de septembre, puisque nous avons la volonté d'aller de l'avant. Il est important que nous travaillions avec le SPW, puisque le fait de travailler avec eux nous garantit aussi que dans le cadre de ce partenariat, des investissements puissent être réalisés sur les voiries régionales. Donc, nous avançons, on a créé un groupe de travail au sein de l'administration qui est composé de 5 personnes. Et ces 5 personnes, depuis déjà plusieurs mois, travaillent pour préparer cette convention et ce cahier des charges. Donc maintenant, comme le disait le bourgmestre, ce ne sera pas le plan de mobilité d'uniquement des piétons ou des citoyens, c'est un plan de mobilité général. On sait que des problèmes se posent. Et on sait qu'on doit tenter de les résoudre et nous le ferons avec, en concertation avec l'administration régionale, puisqu'elle doit être un partenaire aussi privilégié de ce dossier. Merci. Juste une petite question technique. Dans le projet de pré-diagnostic, on parlait d'un comité technique d'accompagnement. Qui est composé d'une série de représentants. Je me demandais s'il n'était pas envisagé de prévoir un poste pour la minorité d'observateur, éventuellement, pour pouvoir suivre le dossier, tout comme ça a déjà été fait pour l'aménagement, notamment de l'aire de sport qui se trouve à Andenel, dont j'ai eu l'occasion de faire partie en son temps. Ah bon, je n'ai pas de problème pour qu'un poste d'observateur soit dans le futur réservé à la minorité, mais tant qu'à présent, aucun membre de la majorité ou de la minorité n'est présent. Donc c'est vraiment un comité technique avec des personnes qui sont habilitées pour ce type de dossier, qui travaillent sur le projet. Donc on verra bien ce qui va nous être proposé par la région. Je ne ferme pas la porte parce qu'il n'y a aucune raison de la fermer. Mais je dirais qu'on verra un peu, on verra dans le futur comment ça avance. Personnellement, je suis resté vraiment
à l'extérieur, de, même si j'avais des rapports qui arrivaient et je connais le dossier, on a travaillé sur le dossier, je n'ai participé à aucune réunion parce que je ne voulais pas influencer ce comité technique. Je vous remercie. Donc ce sera un vote positif pour nous. Merci. Le culte fabrique d'église de la Mèche compte 2019 une réformation. Pas de problème. Et le point numéro 2, fabrique d'église de Sclain compte 2019, c'est une approbation. Point numéro 3, dans les divers, désignation d'un membre du collège pour siéger dans le jury de l'appel à projet citoyen en faveur de transition écologique et solidaire. Je pense que c'est M. le bourgmestre qui... Non, c'est Vincent. Alors, parle de Mme Lobin. Mais il ne s'allume pas quand même. Moi, ça fonctionne. Oui, je crois qu'il y a... C'est bon. Ah, voilà, c'est bon. Donc, aucune objection quant à la désignation, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, nous avions quelques petites questions au niveau de cet appel à projet, parce que nous trouvons que la communication au niveau de cet appel à projet était un petit peu floue. Alors oui, ça a été paru dans le bulletin, il y a eu des publications, etc. Mais personnellement, je trouve que pour le citoyen lambda, c'est peut-être pas chose aisée que de remettre un projet de ce type. Le timing aussi est assez court puisque on est dans le déconfinement, on est en plein été et la remise des projets pour le 31 juillet. Qui plus est, la personne responsable à la ville pour répondre aux questions des citoyens qui pourraient être intéressés est en congé. Et donc, est-ce que la date n'est pas mal choisie par rapport au lancement de cet appel à projet ? Alors évidemment, je suis tout à fait favorable à ce genre d'appel à projet pour les citoyens. Néanmoins, je me dis que je sais qu'il y a des réunions citoyennes qui seront prévues par après. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être en faire une en prémisse du lancement de cet appel ? Donc voilà, plusieurs questions par rapport au timing. Donc pourquoi maintenant ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu postposer de quelques semaines
pour permettre à tout le monde de s'y retrouver un petit peu et d'avoir plus de visibilité. Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux concernant les types de projets qui auraient déjà été déposés, et est-ce que vous avez une idée du type de projet que vous attendez plus concrètement? Voilà. Alors, ben, en fait, nous avions une convention avec, avec une ASBL, il y a un marché qui a été contracté, et donc il était impossible de postposer. En fait, au départ, nous devons déjà être plus tôt dans l'année, puisqu'on aurait dû faire ça avant la crise du Covid et lancer le marché et l'appel à projet avant. Et donc, on s'est dit, on fait comment, on fait quoi? C'était un peu l'incertitude. Et au bout du compte, contractuellement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment le choix. Donc, notre idée était de venir avec un appel à projet fin octobre, avec un paiement au mois de janvier ou février l'année prochaine. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce qu'au niveau contractuel, nous étions un peu coincés. Ça, c'est la première chose. Alors, quant aux appels à projet. Alors, quant aux appels à projet, ben, c'est un peu difficile de répondre. Alors, nous avons nos idées. Je sais que telle ou telle association va pouvoir demain émettre un projet. Et je ne peux pas non plus dévoiler ce qui va pouvoir être fait. Et donc, voilà, on verra bien. Il n'y a qu'un seul membre d'un parti politique qui sera présent dans les membres du jury. Le comité sera composé d'autres membres qui ne sont pas associés à des partis politiques. Et donc, ben voilà, je pense qu'on va avoir une analyse relativement objective ou objective des dossiers et on verra ce qui va nous être proposé. Mais maintenant, je ne peux pas vous dire quel type de projet on peut proposer. On sait qu'on a mis des règles. Par exemple, on ne peut pas avoir plus de 50% de participation communale dans une association qui remettrait un projet. Ça, je pense que c'est important. C'est de laisser la liberté à chacun et de permettre et de ne pas noyauter, je dirais, cet appel à projet. On a aussi, le caractère solidaire, environnemental des projets qui doivent être déployés. Et puis, on verra, c'est une première expérience. Je pense qu'on est quand même parmi les premières communes wallonnes à développer ce genre de budget participatif. On va voir ce qui nous sera proposé. Maintenant, quant au fait que la responsable du service soit en congé jusqu'au 21 juillet, je pense que nous sommes quand même suffisamment disponibles pour répondre aux diverses demandes. Et le dossier était suffisamment préparé en amont pour qu'il était prêt, en fait, hein, pour qu'on le fasse bien avant la crise du Covid. Et via la CLDR et via le GAL, les personnes étaient aussi informées de ce que nous voulions développer. Oui, Monsieur Légevin, j'entends bien vos justificatifs, mais je trouve quand même que c'est une belle occasion manquée, notamment d'information des conseillers communaux. On avait eu conscience que fin de l'année passée, vous obteniez un subside de Biplanète pour faire ce type de projet. La moindre des choses, me semblait-il, c'était une fois que le projet était en tout cas ficelé de votre côté, de le présenter en conseil communal en avril ou en mai, qu'on puisse en discuter, des modalités de réalisation, des modalités au niveau des conditions, etc., si elles étaient flexibles. Parce que vous dites, nous avons mis certaines mesures, nous avons mis certaines conditions. On aurait pu en discuter ici, je pense. Et je pense que ce projet aurait été lancé vraiment dans de bonnes conditions, avec une information maximale de la population et notamment de ses élus. Il s'avère qu'il se passe quoi ? Ben, c'est que les élus découvrent en plein milieu du mois de juillet qu'il y a un appel à projet tout à fait intéressant et tout à fait pertinent, mais pour lequel on va devoir remettre des projets au 31 juillet. Excusez-moi, mais c'est un peu un projet claudiquant, parce que cette condition-là, elle rend quasiment plein de gens qui seraient potentiellement intéressés de remettre un projet, ben, dans l'incapacité de le faire, bien entendu.
Alors vous dites effectivement, et bien légitimement, la responsable du service est en congé, et je ne vais certainement pas critiquer ça, parce qu'effectivement, tout le monde a droit à ses congés. Moi, je me suis adressé à un membre du GAL pour avoir des renseignements sur le projet, et vous dites que le GAL est au courant, la personne m'a dit « je ne peux pas vous renseigner ». Voilà. Donc je pense qu'en termes de communication vis-à-vis des élus, et de mise en œuvre de ce projet, c'est quand même un peu dommage. Alors je comprends bien qu'il y a des délais pour des subsides au niveau de la région wallonne, mais il me semble que si on avait reculé de 2 mois la rentrée des projets avec une bonne mise au courant de la population, on pouvait encore très bien élire le projet pendant l'année 2020, et il me semble qu'on travaille quand même en année budgétaire, et donc pour Biplanet, qu'on donne le subside suite à une décision du 15 août, du 1er septembre, ou suite à une décision du 15 octobre ou du 1er novembre, il me semble que cela était possible. Donc voilà, on regrette en tout cas, bien qu'on soutienne philosophiquement, totalement le projet, on trouve que l'information, en tout cas des élus, et la mise en œuvre du projet ne permet pas d'avoir un échantillonnage maximum des potentialités qu'il y a sur notre territoire. Bah, un petit peu quand même. Alors, je suis un peu surpris, parce qu'en fait, le projet Biplanet a déjà été évoqué. Oui. Attendez, il a été évoqué ici, c'est la désignation d'un membre du comité d'accompagnement. On n'est pas là dans la philosophie du projet qui a été évoqué, on est dans la désignation d'un membre au comité d'accompagnement. Le budget participatif, il était prévu au budget ordinaire de la ville en 2020. Donc, ce n'est pas une surprise. On a déjà parlé de Biplanet. Alors, ne venez pas nous dire qu'on vient faire ça par surprise. Vous savez, nous, on a passé, au niveau du collège, une convention avec Biplanet après un marché public. Cette convention impliquait qu'on désigne un comité d'accompagnement et pour un appel à projet pour pouvoir désigner une association qui pourrait bénéficier de une ou plusieurs associations qui pourraient bénéficier de ce budget participatif. On n'a rien à cacher, et ici c'est la désignation d'un membre. Donc j'avoue que je ne comprends pas vraiment la réaction. Mais vous allez peut-être m'expliquer, mais je peux répliquer. Expliquez-moi. Le souci, c'est que vous nous parlez du premier Lego, ça veut dire il y a un budget participatif Biplanet. Ça, tout le monde est au courant, personne ne le discute. Et vous venez de le rappeler. Vous parlez d'un troisième Lego, qui est la désignation aujourd'hui d'un membre dans le comité d'accompagnement. Vous ne parlez pas du deuxième Lego, qui aurait dû être l'explication opérationnelle du projet Proximity, dont je ne connaissais pas le nom avant d'ouvrir mon ordre du jour, ou quasiment, que par des oui-dire. Voilà, c'est ça que je vous dis. Il y a 3 Lego, vous me parlez du premier et du troisième. J'aurais trouvé souhaitable qu'il y en ait un deuxième au milieu, avec une explication du côté opérationnel de l'opération au conseil communal en avril ou en mai. Voilà. Et je n'en fais pas un fromage, et nous voterons évidemment positivement et nous soutiendrons ce projet-là, mais je pense quand même que ça aurait été plus heureux. Merci. Tout le monde s'est exprimé là-dessus, comme je crois qu'il n'y a quand même pas de problème, puisque la désignation, il n'y a personne qui met de l'opposition, et pour le projet, tout le monde est d'accord. Donc, unanimité. Il y a un point complémentaire, le 3 bis sur l'environnement en urgence, renouvellement de la convention entre la ville et la société anonyme Curitas pour la collecte des textiles ménagers. Y a-t-il des remarques ? Non ? Merci. Point 4, finances. Procès-verbal de vérification de caisse. C'est une communication. Situation 31 janvier, 29 février et 31 mars 2020. Remarques ? Non ? Merci. Point numéro 5, installation sportive. Prolongation de la convention de concession des infrastructures sportives de Sklein. Y a-t-il des remarques ? Ça, je suis étonné. Soit. Mais, simplement pour rappel, le club de Sklein, l'ASBL RAEC Sklein, a mis fin à ses activités en 2019.
Une convention a été établie avec la jeunesse sportive de Scléhain qui voulait relancer le club au niveau de ses jeunes. Il est à noter que le conseil d'administration respecte ses engagements vis-à-vis de la ville. Il demande une prolongation et il est tout à fait normal que nous le raccordions. Non, mais voilà, j'explique. OK. Le point numéro 6, marché public passé par délégation, c'est une communication. Donc, Monsieur Sermon. Oui, merci beaucoup. Juste une question très rapide sur un des marchés. C'est la désignation d'un cabinet de recrutement pour l'engagement d'un directeur des services techniques. Donc, voilà, notre directeur des services techniques arrive tout doucement à la fin de sa carrière. Il l'a bien mérité. Il a des dizaines d'années de travail abattues pour Andenne. Ceci étant dit, on voit ici que le marché a été attribué pour 7 200 € par le collège du 12 juin. Et dans l'ordre du jour du 3 avril, il y avait l'ordre du jour du mois de mai, il y avait une décision du 3 avril du collège qui attribuait à une autre société ce même marché pour 11 500 €. Donc voilà, on voulait avoir des précisions, savoir si le premier marché avait été annulé et le marché a été relancé ou ça, c'est exactement la même dénomination. Donc c'est juste pour avoir des infos. C'est un poste quand même excessivement important au sein de la ville. Le directeur de service technique, c'est vraiment un pilier du fonctionnement communal. Donc cette perte de temps, ce coût, peut-il provoquer un moindre souci? Je ne sais pas si qui peut répondre. Je répondrai tout simplement, après m'être concerté avec le directeur général, qu'une question technique est posée, qui nécessite d'interroger le service. Une réponse vous sera adressée par le collège de façon à répondre très clairement à votre légitime interrogation. OK. Merci beaucoup. Nous passons alors au marché de fournitures. Acquisition d'un camion équipé d'une hydrocureuse en remplacement du camion Volvo FL6, équipé d'une hydrocureuse. Je ne suis pas un spécialiste en dedans. Pas de problème ? Merci. Point numéro 8, marché de travaux. Marché de travaux échelonné des voiries et de trottoirs en pierre naturelle. Remarque ? Monsieur Sermon est d'accord, donc tout le monde est d'accord. Le point numéro 2 ici en complémentaire, c'est un marché de travaux qui sera passé en huis clos. D'accord ? Nous passons au patrimoine. Andenne rue Cuvelier, session gratuite à la ville des abords aménagés par les logis andonnais dans le cadre de la création de 18 appartements. Question ? Non ? Merci. Point numéro 2, Andenne rue Provo, numéro 3, renouvellement de la convention de gestion au profit de l'ASBL Maison des Jeunes, le hangar. Martine. Alors, là, j'étais un petit peu... je me suis un peu interrogée où je ne voyais que, en fait, dans la convention, il n'y a plus de location. Moi, je me souviens qu'en tant que commerçante, on a déjà fait des réunions là-bas. Donc, à mon avis, il y avait une location derrière. Et ça veut dire que s'il n'y a plus de location, il y a plus, ça fait une salle de moins. Je trouve qu'elle est quand même pratique. Je ne sais pas qui peut me répondre par rapport à ça. Qui peut répondre ? Monsieur Constantini ? Mais en clair, il n'est plus expressément indiqué dans la convention qu'il est permis une location. D'accord. Mais dans le cadre de cette convention, la gestion des espaces est confiée à la Maison des Jeunes. D'accord. Et ça veut dire que la Maison des Jeunes peut, je vais dire, de son autorité, à un moment donné, mettre une salle à disposition d'une structure, type ASBL ou autre, moyennant un règlement d'ordre intérieur qui a été mis en place par le bureau de la Maison des Jeunes et qui sera assigné entre les deux parties, Maison des Jeunes et la structure co-contractante. Donc voilà. D'accord, ok. Donc on pourra toujours s'en servir. Tout à fait. Ah, okay. Tout à fait. Ça va, d'accord.
D'accord, ok. Donc on s'adresse directement là. À la maison des jeunes. À la maison des jeunes. Ok. Ouais. Merci à toi. Oui, mais c'est pour revenir sur la convention, justement, le point E, occupation des lieux, là, il est mis que durant la période désignée, la destination autre, enfin, le bien désigné donc, ne pourrait être dédié à une autre destination que celle de la maison des jeunes et d'installations sportives pratiques du squash, et qu'il n'y a que l'AMO qui peut donc éventuellement avoir un droit d'utilisation. Donc, du coup, ce n'est pas très clair, parce que quand on lit ça, on comprend que on ne peut utiliser la maison des jeunes que pour s'en servir comme d'une maison des jeunes, ou en tout cas pour la pratique sportive du squash, ou l'AMO dans le cadre de ses missions qui se rapprochent évidemment de la maison des jeunes, puisque secteur de la jeunesse. Et donc du coup, par rapport à une autre destination, genre des réunions de commerçants, des apéros ou des choses comme ça, voilà, il y a un petit flou par rapport à ça, donc il manque peut-être quelque chose dans cette convention en termes d'occupation des lieux. Alors, pour répondre peut-être plus en détail par rapport à la question qui est posée, donc effectivement, d'ailleurs comme d'autres structures andonaises, les salles sont, en termes d'utilisation, dans un planning fortement utilisées. Et donc, ça veut dire que pour les besoins propres d'une structure, elle est déjà en difficulté par rapport à sa gestion propre de ces espaces. La seconde chose, c'est qu'effectivement, la volonté est quand même d'utiliser ces salles dans un vecteur qui s'inscrit dans l'objet social d'une maison des jeunes ou d'une politique, ancrée sur le territoire andonné. Soyez rassurés, quand par exemple Chopin Andenne demande les locaux de la maison des jeunes pour pouvoir y organiser un petit déjeuner à l'attention des commerçants, eh bien, ça se fait et ça se fera encore, parce que l'idée est de promouvoir une structure locale, la Maison des Jeunes, au travers du soutien d'autres structures de type ici, les commerçants. Donc, la volonté n'est pas de fermer la porte, pas du tout. Soyez rassurés par rapport à l'utilisation de ces lieux qui pourront être mis à disposition d'autres structures, mais ça veut dire que ça doit s'inscrire dans un cadre, ancré à l'objectif social de la Maison des Jeunes, à la promotion de sa politique et de la politique andonaise et de son tissu socioculturel au sens large. Donc voilà. Maintenant, on peut compléter les dispositions. J'ai pas de souci avec ça. Et moi, Mme Lomba le sait très bien. Je suis membre du bureau de la Maison des Jeunes. La convention a été étudié en collaboration avec le service du patrimoine de la ville et le service et la direction de la maison des jeunes, mais on peut rajouter une disposition à cet égard, il n'y a pas de souci. La volonté, au travers de l'écriture de cette convention, n'est certainement pas de fermer la maison des jeunes à d'autres partenaires qui voudraient la mettre en valeur. Donc voilà, et si ça transpire pas suffisamment dans le texte, eh bien moi j'ai pas de souci. Pour qu'on puisse ajouter cette petite disposition, un tout petit paragraphe qui clarifierait peut-être vos interrogations. Merci. Donc tout le monde est d'accord. Point numéro 3, Coutis, délimitation de la propriété D avec le chemin communal numéro 40 au lieu dit Grosse. Tout le monde est d'accord ? Unanimité ? Point numéro 4, toujours à Coutis, rue des Sceaux, les rues de l'Hospice, session gratuite à la ville des Abords, aménagée par le logis andonné dans le cadre de la création de 18 logements. Pas de souci. Merci. Le point numéro 5, Namèche, allée de Cerisier, délimitation des propriétés, logis andonné été avec le domaine public communal. Approbation. Unanimité. Merci. Le point numéro 10, rapport de planification du directeur général, c'est une communication. Pas de problème, merci. Police, communication d'ordonnance de police prise d'urgence par le bourgmestre. Pas de problème non plus. Point numéro 12, revitalisation urbaine, approbation du compromis de vente et aliénation de côte-part communal terrain dans l'écoquartier, 59e délibération. Je pense que là, il n'y a pas de souci non plus. Troisième âge, ville amie des aînés, rapport des ateliers et plan d'action. On demande d'approuver. Il y a pour
les personnes qui désirent avoir une brochure, il y a des brochures à votre disposition ici qui reprend les questions de santé, de société, etc., les rapports des ateliers de plan d'action, etc. Donc si ça vous intéresse, il y a des brochures ici. Monsieur Matard. Merci, Monsieur le Président. Mais donc, le projet Ville Amie des Aînés, dont la ville fait partie déjà depuis 2016, a déjà permis de développer une série de projets. Donc évidemment, nous approuvons le fait de souscrire à nouveau à ce processus. Il y a juste un petit point dont on a attiré notre attention, et pour faire honneur aux fans de littérature, utiliser la figure de l'épanadiplose, c'est-à-dire celle qui consiste à parler du même sujet au début et à la fin, je vais revenir sur la mobilité en fait, des aînés. Puisqu'effectivement, elle ne concerne pas nécessairement que les utilisateurs de vélo, la mobilité concerne aussi les aînés qui ne sont pas nécessairement les plus à même d'utiliser le vélo en soirée pour assister aux activités culturelles. Là-dessus, malheureusement, le taxi social, on doit saluer l'acquisition du troisième véhicule récemment, le taxi social, malheureusement, pour les activités culturelles, ne peut pas répondre aux besoins en soirée. Et donc, là-dessus, nous voudrions savoir quels sont les projets éventuels du collège pour soutenir la participation des aînés aux activités culturelles, par exemple via la mise en place d'une plateforme de covoiturage ou de la mise en relation des personnes pour pouvoir assister à ces activités, voire des navettes, enfin je ne sais pas. Oui, merci monsieur le conseiller. Donc, c'est vrai que la problématique de la mobilité des aînés est quelque chose qui leur tient à cœur, et surtout au niveau culturel et des possibilités de pouvoir aller à des spectacles qui sont donnés ici au niveau de notre centre culturel. Et donc, je sais qu'au niveau du centre culturel, il y a parfois des possibilités de covoiturage, mais nous avons aussi prévu avec la Croix-Rouge, qui a un service de taxi social aussi, de pouvoir disposer, pour autant que la demande soit faite à temps et à heure, de pouvoir disposer d'un véhicule qui peut venir les chercher chez eux et les ramener après le spectacle. Voilà, en fonction aussi des bénévoles de la Croix-Rouge qui peuvent assurer le transport en soirée pour les personnes qui sont demandeuses. Voilà, tout ça a été mis en place juste avant le Covid. Et donc, je pense que ça n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir fonctionner et de pouvoir être mis vraiment à l'œuvre. Mais il y a un partenariat avec la Croix-Rouge actuellement qui dispose de plusieurs véhicules qui sont basés à Namur, mais il y a des bénévoles sur Andenne et qui sont prêts à jouer le jeu et à rendre service aussi au niveau des demandeurs en termes de personnes âgées sur notre commune pour participer à des actions et à des spectacles qui sont sur Andenne. Merci. On est bien d'accord, les personnes qui gèrent les réservations au niveau du taxi social, mm-hmm. quand la demande ne peut pas obtenir de réponse positive, renvoie alors la On personne... On ne travaille pas en soirée au niveau du taxi social oui, pour non, l'instant. C'est, ça. Voilà. C'est pour savoir donc, si la personne qui prend les réservations du taxi social en journée... Quand elle entend une demande qui est faite pour... Ah, mais elle va tout de suite, rediriger vers la Croix-Rouge, ça d'office, c'est ça, donc ça c'est certain. Et pour le taxi social, nous avons élargi nos plages horaires, à savoir qu'avant c'était 8-16, mais on se rendait compte, surtout pour les personnes qui utilisent beaucoup le taxi social pour les rendez-vous médicaux, que parfois ben, vous prenez un peu de retard au niveau de la clinique et on ne peut pas laisser les gens là-bas à la clinique sans aller les rechercher. Donc on a décidé aussi d'élargir les plages horaires de 7h30 jusqu'à presque 18h pour permettre aux gens qui ont un rendez-vous à 15h30 ou à 16h de pouvoir être repris en charge à la clinique et ramenés chez eux. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Donc Madame la Présidente du CPS, dans le rapport, on évoque évidemment l'isolement des aînés. Je pense que Christian, à travers sa question de la mobilité, l'évoquait indirectement. Vous avez évoqué le Covid. Est-ce que vous pouvez, en deux, trois mots, nous faire un mini topo de l'isolement des aînés durant cette période de Covid et ce qui a été fait par les services communaux et le CPS pour lutter contre cet isolement? Oui, je pense que le précédent conseil communal nous a permis de mettre en lumière tout ce qui avait été fait pendant la période Covid au niveau social.
point-là. Et donc, ce point-là, c'était certainement avec les services sociaux, mm-hmm. donc le numéro Andenne Solidarité qui a été mis en place et qui a permis de pouvoir aller faire les courses des gens. Mm-hmm. Donc, beaucoup de personnes qui étaient isolées, qui étaient âgées, avaient très peur du Covid. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On allait faire les courses pour les gens, à leur place. Quelqu'un ouais. allait, on avait un partenariat avec Colruyt, quelqu'un allait chez Colruyt faire les courses des gens. Et puis, on avait une personne qui amenait les courses chez les personnes. Beaucoup aussi de contacts pour rassurer les personnes qui ne savaient pas trop quoi au niveau du Covid, qui se posaient des questions sur les masques. Il y a un numéro de téléphone spécifique. Voilà. Donc, ouais. il y a deux numéros en période Covid qui ont été fort utilisés. Il y a le numéro Andenne Solidarité ouais. qui était mmh. pour la mise en place de toutes les courses et toutes les questions liées au Covid. Et il y a le numéro qui existait déjà avant, qui est le numéro Senior Andenne. Mmh. Donc, c'est ce numéro qui est sorti au travers de Ville Amie des Aînés. Et donc, ce numéro a été distribué il y a plus d'un an maintenant à tous les seniors. Et c'est une antenne. À tout moment, toute personne âgée et même autre personne, hein, on ne refuse pas une demande d'information. Ce numéro, aux heures d'ouverture des bureaux, est utilisé pour avoir des réponses concernant l'un ou l'autre mmh. sujet lié aux aînés ou à autre chose de la commune. Voilà, cet aspect-là n'a pas été évoqué justement lors du précédent conseil, ce numéro. Est-ce que ce numéro, donc vous avez dit, est appelable durant les heures du bureau, oui. est-ce qu'il y a peut-être un jour semaine où l'heure est peut-être un peu plus élargie ou, non, pas spécialement, parce qu'on n'a pas de demande d'heure élargie. Donc, les gens savent très bien que c'est à ces heures-là. Ils posent leurs questions. C'est comme le taxi social. Ils connaissent aussi les horaires. Et on n'a pas de souci. On répond à toutes les demandes. Et donc, voilà. OK. Je vous remercie. De rien. L'interpellation de Monsieur Tafrata. Ça va, on m'entend bien. Monsieur le bourgmestre, messieurs les échevins, mesdames les échevines, qu'il me soit possible aujourd'hui de vous interpeller au sujet de la structure, du développement et de l'extension des zonings industriels de la Houssaye et Mécalis. Dans le contexte actuel de la crise Covid, il est essentiel, voire vital, de scruter avec intérêt et prudence l'évolution des chiffres économiques dans l'horizon des prochaines semaines, mois et années. Jusqu'à présent, le bilan pour la Wallonie reste peu reluisant. Nous le savons tous et toutes, notre région se cherche et notre structure industrielle peine à se reconvertir. Le secteur économique wallon n'est pas autoportant et reste tributaire de transferts du nord vers le sud. Or, on le sait tous, il ne peut y avoir d'oasis sociale dans un désert économique. En termes de disparité régionale, les COP publiés les derniers indicateurs de début 2020, donc juste avant la crise, et j'ai retenu plusieurs chiffres, dont le fossé et les disparités toujours présentes en termes de taux de chômage, de 12% encore pour la Wallonie, de 5,7% en Flandre. On le sait, le chômage est une problématique éminemment complexe qui procède d'énormément de facteurs. C'est la quadrature du cercle. C'est une équation en plus inconnue qui ne dépend pas uniquement de l'offre de l'emploi. On pourrait citer d'autres vecteurs comme l'éducation, le niveau de formation, la politique de réinsertion sociale ou post-carcérale. Un ensemble d'éléments qui ne dépendent pas toujours du champ d'action de la commune. Donc je resterai ici sur l'offre d'emploi. Et pour Andenne, la tendance est très positive et en constante évolution. Andenne comptait encore en 2009 un taux de chômage de 13,63%. Aujourd'hui, nous sommes en dessous des 8%. Il faut plus que jamais continuer à accompagner cette évolution économique en veillant à fournir un cadre propice à l'emploi. Nous avons le devoir moral, ici, en tant que membres du conseil communal, d'être les premiers émissaires, d'être les ambassadeurs des atouts de notre ville. Accueillir les investisseurs à bras ouverts, pour autant que leurs projets s'inscrivent en harmonie avec les différentes parties prenantes. Je pense aux citoyens, aux fermiers et au cadre écologique. Oui, j'insiste, nous devons être les ambassadeurs de nos atouts, car il y en a beaucoup. Ô Andenne, ô mère chérie, tu es si attractive. Oui, Andenne occupe une place centrale en Wallonie,
à mi-chemin entre Namur et Liège. Elle est multimodale par sa proximité avec la Meuse et ses zones portuaires, son réseau ferroviaire dense, sa proximité avec les aéroports de Biarritz et Charleroi, sans oublier sa proximité avec les trois grands axes routiers, le 40, le 42 et le 411. Je pense aussi à ses atouts financiers et ses incitants. Je pense au prix compétitif du mètre carré ou du prix compétitif de l'énergie. Merci à l'AIEG. Dans cette optique, je pose au collège plusieurs interrogations précises. J'aurais voulu savoir quel est le taux d'occupation effectif, le taux d'options prises et le pourcentage vacant des terrains des deux zonings de Laousset et de Mécalis. J'aurais voulu connaître aussi le délai moyen entre le moment où l'on rentre un dossier d'extension d'une zone économique et l'inauguration d'une première entreprise dans cette zone d'extension. Je pose cette question qui m'apparaît primordiale car il est essentiel de s'inscrire dans une démarche de court, moyen et également de long terme. Être visionnaire est un art et je questionne le collège sur sa stratégie de long terme. Quelle est sa stratégie de développement pour les années à venir? Y a-t-il d'autres projets en chantier? Lesquels? Car anticiper, c'est lire aujourd'hui un livre qui s'écrira demain. Monsieur le bourgmestre, je tiens à remercier monsieur le conseiller communal pour son interpellation qui permet de donner une réponse que j'espère positive pour tout un chacun qui pourra nous écouter. Je répondrai qu'en ce qui concerne le taux d'occupation de nos zones d'activité économique, je vais vous remettre un document établi il y a 15 jours par le Bureau économique de la province qui révèle que le taux d'occupation est exceptionnel. Je sais que certains ont été troublés au dernier conseil communal quand M. Sermon, de bonne foi, je pense, a exprimé quelque chose qui était incorrect, à savoir qu'il n'y avait que de 10 à 20% d'occupation. Je crois qu'il ne faut pas mélanger une demande de réservation, une demande d'investissement et l'inauguration d'une usine. Donc très clairement, le délai est de plus ou moins 3 ans entre une demande d'acquisition d'un terrain auprès du bureau économique et l'inauguration de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple et je vais vous remettre ce document pour qu'il puisse circuler. Le collège a pris acte vendredi que le 7 juillet, le fonctionnaire délégué a accordé un permis à Biposte à Laousset pour une entreprise publique qui va occuper 110 équivalents temps plein dans le cadre d'un nouveau métier de la Poste qui est celui des colis. L'avenir de la Poste, ce sera moins la distribution du courrier demain avec, je dirais, tout ce qui est communiqué par voie électronique, mais les colis, c'est à la mode et avec la crise du Covid, on a vu l'accélération des commandes de colis divers. Donc je vous remets ce projet magnifique qui se situe à Laousset. À Laousset, il reste un peu plus d'un hectare sur les 11 hectares. Tout est réservé. À telle enseigne que nous allons devoir même envisager une extension de Laousset. Mais la priorité immédiate n'est pas l'extension de Laousset. La priorité immédiate, c'est l'extension de Petit Waret. Je vous remets ce document, mais j'invite après qu'on le fasse suivre à l'ensemble des élus qui souhaitent le consulter. C'est un projet magnifique. Alors, en ce qui concerne, je dirais, les zones d'occupation, comme cela vous a été exprimé, mais le nombre est vraiment colossal. Si je prends Laousset, évidemment, ceci est très peu visible, évidemment, parce que c'est un document, il reste pratiquement rien. Qui s'implante à Laousset pour l'instant? Il n'y a pas moins de 14 entreprises à Laousset. 14. Et il reste un hectare et des poussières. En ce qui concerne la zone de Petit Waret, il faut distinguer sur la zone actuelle de 46 hectares les 11 hectares qui sont sur Fornelmont et les 36 hectares qui sont sur Andenne. Là, je peux vous exprimer que je dispose, et je vais vous remettre ce document. À Laousset, donc, il y a 14 lots qui sont réservés. Sur Mécalis et sur Andenne, il y a 17 lots qui sont réservés. Mais toutes les usines ne sont pas sorties de terre, parce que pour sortir de terre, il faut, comme pour Biposte à Laousset, qu'on ait un permis et qu'ensuite l'entreprise fasse appel à des entrepreneurs dans le cadre de marchés de travaux, pour que le bâtiment sorte de terre, soit inauguré, et que les nouveaux postiers de cette nouvelle génération puissent y travailler. Donc, sur Andenne,
Donc, à Mécalis, 17 lots réservés. Je dispose ici de l'ensemble des entreprises. Et sur Fornelmont, parce qu'il y a 11 hectares sur Fornelmont, il y a 16 entreprises qui s'implantent. Alors, pour l'occupation des 11 hectares sur Fornelmont et des 36 hectares sur Andenne, on a donné la priorité à la colonisation, si je peux utiliser le mot, qui a mauvaise presse maintenant, des 11 hectares de Fornelmont. Parce que ça nous semblait utile de démarrer de Fornelmont et de venir vers Andenne. Mais à partir du moment où quelqu'un souhaitait expressément, comme Gluton, s'implanter sur Andenne, nous l'avons bien évidemment admis. Sur les 46-47 hectares de Petit Waret, les demandes de réservation laissent apparaître qu'il reste un peu plus de 5 hectares disponibles sur les 46-47. Voilà. Donc c'est une success story incroyable, et c'est en fonction de celle-ci que les trois communes de Fornelmont, d'Andenne et de Héron ont décidé de demander une extension sur 50 hectares qui a été admise à l'unanimité. Dans le cadre de l'enquête publique, il n'y a eu que deux réclamations. Une réclamation émane d'Aspiravi, qui lui, sommes en procès avec Aspiravi, on a obtenu plusieurs fois l'annulation des permis éoliens accordés sur Héron, sur une zone réservée à la zone d'activité économique de Héron, et Aspiravi proteste en disant qu'il préfère mettre des éoliennes que de voir 20 hectares d'activité, alors que nous sommes pour l'éolien, mais pas là, en plein cœur d'une zone d'activité économique sur Héron. Et la seconde réclamation est celle d'une personne qui nous a écrit qu'elle s'opposait au motif qu'ayant entendu la relation du conseil communal qui est retranscrite maintenant sur Internet, elle a entendu M. Sermon nous dire qu'il n'y avait que de 10 à 20% de réservation et que ce n'était peut-être pas utile, même si ADN a soutenu le projet. Donc voilà, nous avons répondu à cette dame qui habite à Seille, rue du Vignat, pour dire qu'elle s'est trompée de bonne foi, mais elle a reçu une information brute qui n'était pas le fruit de la réalité. Alors, vis-à-vis d'autres projets de développement, nous viendrons et nous avons présenté Françoise Léonard, qui est l'échevine de l'économie, et moi-même, un autre dossier d'importance à M. Borsus. Willy Borsus est le ministre de l'économie en Wallonie, il est aussi le ministre de l'aménagement du territoire. C'est à Anton de repenser complètement l'aménagement de la zone d'Anton pour privilégier non plus le logement en priorité, mais pour y privilégier surtout l'activité économique dans des activités différentes de celles que l'on peut implanter à La Houssaye et à Petit Waret. Nous pensons qu'avec la crise du Covid, qu'avec le besoin de repenser l'économie du futur, il est fondamental de pouvoir faire en l'endroit une zone d'activité économique d'un nouveau type liée à la transition, à la recherche-développement et à des entreprises de pointe travaillant en liaison avec les universités, créant des spin-offs. Il nous paraît que cette zone de 50 hectares sur Anton plus 10 hectares en complément au-delà du chemin de Seille mériterait sur les deux tiers de la zone d'être réservée à cet emploi extraordinaire qui doit être le gisement des emplois du futur. Donc, M. Borsus a accueilli l'idée favorablement. Le bureau économique y travaille, et là, c'est un terrible défi. Et je dois vous dire que nous devons tous être très attentifs à ce que j'appelle l'économie de la vie. Jacques Attali, que vous connaissez tous pour sa réputation extraordinaire sur le plan international, qui fut le plus proche conseiller du président Mitterrand, qui a écrit verbatim. Il a aussi publié en janvier 2008 un ouvrage extraordinaire que je vous invite à relire. C'est Tous ruinés dans 10 ans, où là, il prévoyait la crise des subprimes qui va survenir le 30 septembre. Jacques Attali est un des plus grands penseurs contemporains. Il a exercé des responsabilités sur le plan international, sur le plan bancaire au niveau européen. Eh bien, il vient de publier un nouveau livre qui est L'économie de la vie. Il a été publié il y a 3 semaines. Je l'ai découvert ce week-end. Je l'ai dévoré en 10 heures de lecture. Et Jacques Attali expose ce que doit être l'économie de demain après Covid, en disant qu'il y aura des transformations terribles de notre économie. Que, par exemple, l'industrie
aéronautique devra être repensé complètement, que l'industrie automobile devra l'être aussi, très sensiblement, que l'industrie du tourisme va devoir évoluer. Actuellement, il y a 300 millions d'emplois dans le monde liés à l'industrie du tourisme, qui représente 10% du PIB mondial, c'est ce qu'il explique à Tali. Donc demain, l'industrie du tourisme, je dirais au niveau international, va se réduire. Mais nous aurons d'autres industries qui vont se développer. Il citait par exemple qu'une partie de l'industrie automobile ou aéroportuaire pourrait très bien se lancer dans des fabrications d'appareils respiratoires pour les hôpitaux et pour les autres. Et que d'autre part, on doit sortir de cette énergie carbonée que nous vivons maintenant pour entrer dans une production d'électricité décarbonée. Et ça, c'est extrêmement important en fonction de l'immense péril qu'est le réchauffement climatique qui, au-delà de la crise du Covid et des pandémies qu'on a vécues, pourrait déboucher ce réchauffement climatique sur de nouvelles pandémies avec une raréfaction de l'eau potable. Donc nous voulons nous inscrire, je dirais, dans une économie résolument portée sur le futur avec des solutions à moyen et long terme. Et nous viendrons prochainement à la modification budgétaire avec des propositions assurant à Andenne son indépendance énergétique au travers de la propriété par la ville d'éoliennes devant nous permettre de disposer d'une énergie, je dirais, durable, mais manifestement propre et qui n'a strictement rien à voir avec tout ce qui est critiqué. Donc moi, je suis résolument optimiste. Je vous remercie pour votre interpellation. Et je remercie aussi tout le conseil communal, y compris ADN et M. Sermon, d'avoir soutenu l'extension de Petit Waret il y a de cela quelques 3 semaines. Mais ce que je peux dire, et je demande à chacun de le percevoir, c'est que aussi bien Laousseil que Petit Waret sur Andenne, sur Fornelmont, demain sur Héron, ça fonctionne. Et le bureau économique en est tellement convaincu qu'à mes côtés, quand on a vu avec Françoise M. Borsu, se trouvait Renaud de Gueldre, qui a plaidé avec des arguments massus combien il était nécessaire de réaliser cette extension. Alors, évidemment, nous souffrirons du Covid. Il y a un frein à l'emploi, forcément, pour l'instant. Mais là, c'est un autre débat. Et peut-être la Belgique est-elle passée, contrairement à d'autres pays, sur l'opportunité de gérer cette crise du Covid autrement. Il est des pays qui ont géré cette crise admirablement. C'est le cas de la Corée du Sud, c'est le cas de Taïwan, c'est le cas de Singapour, où simplement en imposant à la mi-février le port du masque obligatoire en tout lieu, on n'a pas dû fermer les écoles, on n'a pas dû fermer les administrations, on n'a pas dû fermer les entreprises, et le nombre de morts y est dérisoire. Donc on doit aussi réfléchir, je dirais, à ce qui se fait de bien ailleurs pour pouvoir le dupliquer chaque fois que c'est possible. Voilà. Je reste raisonnablement optimiste. Si je peux rajouter quelque chose. Quand vous me parlez ici de repenser l'industrie, je repense aussi à... Je ne retrouve plus le nom, je le cherchais, de l'entreprise namuroise qui a fait un partenariat avec le Fab Lab namurois, avec l'Université de Namur, une part de la ville et une part de la région. Et ils ont fait tout ensemble une entreprise dirigée sur l'imprimante 3D, sur tous les enjeux du futur. On pourrait peut-être s'inspirer un peu de ce modèle-là aussi au niveau d'Andenne, vu qu'on part déjà aussi de l'atelier du Fab Lab et qu'on part déjà d'une infrastructure ici, simplement. Transmettre également à d'autres niveaux de pouvoir qui peuvent nous aider. Et ne perdons pas de vue, au-delà des subventions à obtenir de la région wallonne, la possibilité aussi de s'inscrire dans des projets européens. Ne perdons pas de vue que l'Europe a décidé, suite à la crise, d'investir massivement et de consacrer un montant extraordinaire de 750 milliards d'euros à répartir entre l'ensemble des pays de l'Europe. Il est important que la Wallonie soit demanderesse d'investissements durables dont on sait qu'ils assureront la pérennité de l'emploi de demain,
mais en le faisant dans des secteurs porteurs pour l'avenir et non pas dans des secteurs dépassés ou du passé. Donc, soyons très vigilants et je suis à l'écoute de toutes les bonnes idées. Je vous remercie en tout cas. Merci, Monsieur le Président. Vous permettez de faire un petit pas en arrière à hauteur de mon homonyme. Collègue et ami Christian, tout d'abord, Monsieur le Bourgmestre, pardonnez-moi pour la position, ça, ce n'est pas confortable. Je vais, oui. Ouais, bon, voilà. Voilà. Bon, c'est pas très confortable. Voilà. Pas trop près. Merci d'abord, tout d'abord, Monsieur le Bourgmestre, pour ces explications, ces informations précieuses que vous nous donnez par rapport aux perspectives de remplissage du zoning de Petit-Ouaret. J'aimerais quand même préciser, par rapport à ce que vous avez dit sur les propos d'Étienne, que ADN, et vous avez eu la correction de le reconnaître, a toujours soutenu le projet. Nous l'avons soutenu en vous interrogeant, il est vrai, sur les perspectives de remplissage, sur les perspectives d'accueil. Et je tiens également à remercier Jawad d'avoir posé les questions que, de multiples reprises, nous avons posées au sein d'ADN ou de ses composantes antérieurement pour connaître ces perspectives de remplissage et d'accueil des entreprises et également, d'une manière générale, d'avoir quelques informations sur les gages de développement économique à Andenne. Alors, évidemment, Jawad a probablement des entrées que je n'ai pas et il est probablement plus aisé pour lui de poser des questions et d'obtenir des informations et de recevoir évidemment des réponses particulièrement dithyrambiques du bourgmestre par rapport à la pertinence des questions qui, nous, lorsque nous les posons, sont des questions, dans le pire des cas, totalement idiotes ou, dans le meilleur des cas, légèrement prématurées. Enfin, voilà. Donc, je dirais que, d'une manière générale, autant j'ai apprécié la précision de vos réponses, et je tiens encore à vous en remercier, tant nous sommes attachés profondément et autant que vous au développement économique d'Andenne, autant il est regrettable de devoir attendre une magnifique ode au travail du collège pour avoir ces réponses. Alors, il y a quand même deux ou trois éléments que je voudrais souligner. Je pense qu'il faut être quand même assez humble dans la vie. Ça vaut pour tout dans la vie. Il faut être humble, y compris ici. Il ne faut pas non plus venir avec des chiffres qui n'ont pas de valeur, en tout cas qui n'ont pas de réelle pertinence. Je vais prendre l'exemple des chiffres qui sont cités par Jawad par rapport au chômage. J'imagine que ce sont des données qui ont été communiquées par le bourgmestre en provenance de l'ONEM. En tout cas, ce ne sont pas les données du Forem. Moi, je vais te donner les données précises du Forem en matière d'indicateurs de demande d'emploi et de taux de demande d'emploi. Si je prends la commune d'Andenne, l'indicateur de demande d'emploi se situe à hauteur. L'indicateur, qu'est-ce que ça veut dire l'indicateur? On prend ce qu'on appelle les demandeurs d'emploi, demandeurs d'allocation. C'est une donnée importante parce que ça, c'est une vraie donnée socio-économique qui indique quel est le niveau de la demande d'emploi, pas seulement du chômage, de la demande d'emploi. Et on peut y ajouter, évidemment, les demandeurs d'emploi qui sont inscrits librement. Et là, on obtient ce qu'on appelle le taux de demande d'emploi. L'un est de 10,6% et l'autre est de 12,5%. En aucun cas, il n'est de 8%. S'il y a un taux de 8%, il vient probablement de l'ONEM, mais ce n'est pas un indicateur pertinent lorsqu'il s'agit d'évoquer la situation socio-économique d'une commune ou d'un arrondissement, d'une région, d'un pays. On prend le taux de demande d'emploi ou l'indicateur de demande d'emploi. Le VDAB procède de la même manière. Ce sont des indicateurs socio-économiques. Et puis, donc il faut quand même replacer la situation socio-économique d'Andenne à sa juste place. Et puis, la modestie, elle doit quand même nous inciter à une chose. Elle doit quand même nous inciter à regarder quelle est l'évolution. Alors, tu nous dis, par rapport à 2009, c'est magnifique, tout va bien. Je suis désolé, mais moi, je n'ai pas ça dans les données. Ce sont des données qui viennent du Forem. Le taux de demande d'emploi. Alors, en juin 2016, à Andenne, il était de 12,2. Aujourd'hui, il est de 12,5. Si je prends l'arrondissement, le taux de demande d'emploi, en juin 2016, il était de 11,7. Aujourd'hui, il était de 11,5. Je vais prendre au niveau wallon, le taux de demande d'emploi, 14,13,2. Or, c'est vrai que les choses se passent globalement pas trop mal pour Andenne. C'est vrai qu'il y a des progrès. On n'est pas ici pour parler négativement ou pour dire que rien ne va à Andenne et que c'est la commune la plus mal gérée de Wallonie. Ce n'est pas mon propos, monsieur le bourgmestre. Croyez-le bien. Mais néanmoins, au travers de ces indicateurs, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la situation de l'emploi à Andenne est plus mauvaise
qu'en 2016, alors que c'est le contraire au niveau de l'arrondissement et de la région. Ce sont quand même des indicateurs dont il faut tenir compte, simplement par souci d'humilité. Et puis, puisque M. le bourgmestre a cité Attali, bah, j'ai envie de le citer aussi. Attali a écrit deux bouquins que j'ai lus, je ne les ai pas lus tous, vous peut-être, mais pas moi. J'ai lu Les leçons d'avenir pour le XXIe siècle, et puis surtout le dictionnaire du XXIe siècle, qui est un bouquin remarquable, écrit sous forme de dictionnaire, que vous avez peut-être lu. C'est un bouquin qui doit avoir maintenant 15 à 20 ans. Et il y a une notion dans le dictionnaire qui revient tout le temps, c'est celle du nomadisme. Et le nomadisme intellectuel, technologique, est probablement l'un des besoins les plus criants, c'est probablement la plus belle prédiction d'Attali, c'est d'avoir prévu un nombre nomade. Ce monde nomade, c'est le monde qui nous a permis d'être en télétravail aujourd'hui, dans une crise qui nous a permis quand même de survivre, puisque même si la crise est extrêmement difficile pour nous tous, et singulièrement pour les personnes les plus faibles, imaginez-vous ce qui serait arrivé il y a 25 ans, si nous avions dû vivre la même crise sans aucune possibilité de réunion à distance et de télétravail. Je pense qu'il faut bien se rendre compte que cette évolution vers le nomadisme est quelque chose qui nous a probablement sauvés ou quasi sauvés tout au long de cette crise. Mais c'est aussi quelque chose qui doit évoluer. Souvenez-vous, en 2012, nous en avons discuté, vous et moi, la possibilité de créer une maison de la formation. Nomadisme, c'était quoi? C'était nous connecter à l'offre de formation du Forum via le centre de formation qui se trouvait à Dinan. C'était également trouver des accords avec les centres de compétences. On en a encore parlé récemment, ici même, lors du précédent conseil communal. Je pense que si nous voulons avoir un jugement humble sur la situation d'Andenne, et encore une fois, je tiens à vous remercier au nom du groupe ADN pour les informations que vous avez données, mais si nous voulons avoir un jugement humble et avoir une attitude prospective, nous devons aussi, non pas seulement nous réjouir des progrès réalisés par Andenne, et ils sont réels en matière de remplissage et d'accueil dans les zonings, non pas seulement, et je le fais avec sincérité, tant je sais que le BEP est une structure intercommunale qui travaille extraordinairement bien, avec un directeur général qui travaille extraordinairement bien, ça je tiens vraiment à le préciser, mais nous ne devons pas seulement nous réjouir de ces réussites, nous devons aussi nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous n'atteignons toujours pas le niveau de performance moyen de l'arrondissement et de la Wallonie, et nous interroger sur une véritable stratégie, puisque Jawad a aussi parlé de stratégie, à juste titre, cette stratégie, quelle est-elle? Quelle doit-elle être pour pouvoir progresser encore en termes d'indicateurs et de bien-être des Andennais? Et puis je terminerai simplement en disant, Jawad nous a fait un remake de la Brabançonne avec Andenne, Omer Chéri, et puis il nous a dit, tu es si attractive, c'est vrai, mais dans la Brabançonne, c'est à toi nos cœurs, à toi nos bras, et à toi nos cœurs et à toi nos bras, c'était peut-être il y a 190 ans une manière plus prospective de dire qu'il faut se retrousser les manches pour encore progresser. Oui, mais je souhaiterais répondre à M. Mater que ce qu'il exprime n'est, ne cassez pas le matériel de l'entreprise qui filme nos débats. Donc, je suis un peu surpris de votre réaction. Vous préférez dresser un tableau plus noir de la réalité que ce qu'elle n'est. Si j'avais su que vous veniez avec les chiffres depuis 2016, je serais venu avec les chiffres aussi. Et je peux vous démontrer, je le communiquerai à l'ensemble des élus, que le taux de chômage est bien meilleur maintenant, même après le Covid, qu'il ne l'était en 2016. Il ne faut pas dire des choses inexactes. Donc tout ça sera établi par des documents. Deux, vous faites une confusion que le Forum est le seul à faire en Europe. Partout en Europe, et en Flandre en particulier, le taux de chômage, c'est le nombre de travailleurs indemnisés par le chômage par rapport à une population active. C'est ça, le taux de chômage. La Flandre a un taux très bas qui flirte avec les 7%. Mais en Wallonie, le Forum, pour des raisons incompréhensibles, et quand j'étais député, j'ai souvent dénoncé, quand vous étiez le collaborateur du ministre Antoine, cette façon de faire des statistiques qui avait pour effet de grossir de façon très négative les chiffres du chômage en ajoutant aux chômeurs indemnisés par l'ONEM les personnes qui s'inscrivaient pour s'amuser au Forum dans une formation en œnologie pour pouvoir épater les copains quand on allait déguster du vin rouge. C'est une réalité en Wallonie. Deuxièmement, chez nous,
tous les bénéficiaires du RIS sont intégrés dans les chiffres du Forem s'ajoutant à ceux de l'ONEM. Alors évidemment, dans ces conditions-là, dans les communes où il y a, malheureusement, parce que c'est souvent le cas des communes industrielles, un nombre plus important de personnes émergeant en revenus d'intégration, si on ajoute aux demandeurs d'emploi indemnisés par l'ONEM ceux qui, malheureusement, sont préservés par le circuit d'une sécurité sociale parallèle via les CPS, vous aboutissez à des chiffres importants. Et on ne peut pas comparer un arrondissement avec une ville comme Andenne. Pourquoi ? Parce que dans un arrondissement, vous avez des communes rurales, je les cite, où il n'y a aucune activité économique, où le taux de chômage est inexistant, ou quasiment inexistant. Parce que ce sont les communes à tradition industrielle, où il y a eu des reconversions, qu'il y a des difficultés. Si vous prenez le taux de chômage à Gèves, paradoxalement, alors qu'à Gèves, il y a peu d'activités, si ce n'est des boulangers, des bouchers, quelques artisans, l'un ou l'autre bistrot, mais il n'y a pas d'activité économique comme chez nous. Et quand nous créons, nous, de l'emploi à Petit Waré, à La Housseille, quand on va avoir les 110 emplois postiers pour les colis, ce n'est pas nécessairement des andonnés qui vont avoir les emplois, parce que l'employeur, qu'il soit public ou privé, il engage qui il veut. Et si sur le marché du travail, il y a des gens habitant d'autres communes, nous dégraissons le chômage d'autres communes sans que nous n'enregistrions les fruits de notre travail. Alors, il faut dire persévérer, agir, mais nous agissons. On est une des communes qui a essayé depuis 30 ans, depuis le début des années 80, d'amener de nouveaux investisseurs. On a créé des zones d'activité économique. On l'a fait envers et contre tout. On a reconverti des sites industriels désaffectés. On a la reconversion d'Intermills qui s'est faite et qui est positive. On a assumé la reconversion de Belref, qui est quand même une réussite, il faut le reconnaître. On a assuré avec le port autonome l'accueil de toute une série d'entreprises, et pas n'importe lesquelles, dans la zone portuaire, à Seille et ailleurs, avec des fleurons comme Père Olive, et j'en passe, et je peux citer tous les autres. On a, avec le bureau économique toujours, accueilli des investisseurs que je suis allé chercher en Flandre, comme par exemple le groupe Puratos, qui a investi plus de 120 millions d'euros, qui crée 200 emplois de haute technologie sur Andenne. Je suis allé à Grand Bigard, dans la maison mère, expliquer aux investisseurs flamands, venez à Andenne, ils sont venus à Andenne parce qu'ils avaient été surpris de la démarche. Et je pourrais continuer avec d'autres investisseurs flamands. Alors quand on dit, faut retrousser vos manches, vous ne savez pas ce qu'on a fait, hein, franchement. En réalité, je ne suis pas responsable de l'accueil de ces entreprises. Elles ont décidé d'investir. Mais on a fait la ville, tout ce qu'il fallait. On a, avec le bureau économique, créé sur 11 hectares de terrains communaux à bâtir à La Housseille. On aurait pu faire un lotissement avec des maisons quatre façades. Non, on a dit on va créer une zone d'activité économique. Et on voit les résultats maintenant. Il y aura 200 à 250 personnes sur le site, dont La Poste, avec 110 personnes bientôt. On l'a fait. On a valorisé sur des terrains communaux à Petit Waré une première zone d'activité économique en lien avec M. Nioul à l'époque bourgmestre de Fernelmont. On a travaillé, M. Nioul et Andenne, main dans la main pour arriver à ce résultat. Maintenant, on travaille main dans la main avec Mme Plompte et avec M. Hautefen, le bourgmestre de Héron, pour étendre notre zone d'activité économique. On prépare la zone d'Anton. On ne fait que travailler à la relance économique. On a aussi accueilli. Et là, si Françoise était là, elle pourrait vous dire tout ce qui a été fait en Andenne pour la relance du commerce. Parce que le commerce, c'est aussi de l'emploi de proximité, non délocalisable. Alors, évidemment, on peut toujours faire mieux. Mais c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié remplie. Moi, je suis heureux de ce qu'on a fait. Je suis heureux de toutes les décisions prises depuis 30 ans par le Conseil communal, qui a soutenu aussi bien, et je le dis aussi, la minorité a soutenu les propositions positives de la majorité. Alors, il ne faut pas noircir le tableau, il ne faut pas dire les choses incorrectes. Donc, on va vous communiquer à tous le relevé de toutes les entreprises qu'on a obtenues après le 22 juin, parce que j'étais vraiment interpellé, et je ne veux pas ici faire de procès d'intention à M. Sermon. Il nous a dit un peu de réservation. Je ne comprenais pas, parce que ce n'est pas ce qu'on m'avait dit au niveau du bureau économique. Donc, on va vous envoyer à tous le tableau avec tous les investisseurs. Et il se bouscule au portillon. Et d'ici un an, il n'y a plus un mètre carré de disponible, ni à La Housseille, ni à Petit Waré. Et quant aux chiffres du chômage, nous communiquerons les bons chiffres pour éviter que l'on fasse des amalgames.
Mais cela dit, on ne va pas faire une guerre de chiffres, personne n'y comprendra rien. Et de toute façon, il faut les analyser de façon très relative, parce qu'une commune n'est pas l'autre, et on ne peut pas comparer une commune rurale où il n'y a pas d'activité économique et pas de chômage, paradoxalement, avec une commune comme la nôtre, qui a une tradition industrielle et qui accueille de l'emploi, non seulement pour les Andenais, mais qui est un pôle, je dirais, un petit pôle régional, qui donne de l'emploi à des gens de Huy, de Gèves, d'Auray, de Fernelmont, d'Assès et autres. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc nous avons une mission qui dépasse très largement les frontières d'Andenne. Et si toutes les communes agissaient comme Andenne l'a fait, la situation du chômage en Wallonie, elle serait moindre qu'elle n'est, et nous pourrions tendre progressivement vers un taux d'occupation à la flamande. Simplement, Monsieur le Bourgmestre, vous m'attribuez un défaitisme qui n'est pas le mien. Je n'ai jamais dit que je n'ai jamais noirci le tableau. J'ai demandé à ce qu'on nuance un tableau qui, reconnaissons-le, est un peu lénifiant. Mais je ne le noircis pas et je suis conscient des progrès réalisés par Andenne. Et c'est une chose vraiment, enfin, c'est une habitude que vous avez de systématiquement noircir les réponses des conseillers de l'opposition. Mais bon, voilà, je pense que ça fait partie du folklore interne. Néanmoins, on ne va pas faire de bataille de chiffres, effectivement, pas de bataille de chiffres. Mais quand vous dites que les chiffres, que les données diffusées par le forum sont incorrectes, moi, je voudrais bien que vous expliquiez en quoi elles sont incorrectes. Il y a une plateforme entre le forum et le VDAB qui valide des méthodes de comptage qui sont analogues. Quand le VDAB parle d'indicateurs de demande d'emploi, c'est la même chose qu'en Wallonie. Donc, je suis désolé, mais vous comparez des données qui sont en fait des données d'indemnisation, globalement. Et ça, ce n'est pas correct. Non, ce n'est pas correct. Non, pardonnez-moi, mais intellectuellement, je ne peux pas souscrire à votre analyse. Le chômeur est celui qui est indemnisé par l'État parce qu'il est au chômage. D'accord. Si vous ajoutez des tas de gens qui n'ont rien à voir avec le chômage comme demandeurs d'emploi, je ne considère pas intellectuellement que des membres de la population qui émergent au RIS et au revenu d'intégration, sont demandeurs d'emploi. Déjà, un quart des RIS, ce sont des étudiants qui ont finalement un complément de bourse d'études. Et grâce à l'aide du CPS, ils vont pouvoir conquérir un diplôme qui va les rendre performants sur le marché du travail. Donc, s'il y a 430 RIS en Andenne, il y a 110 étudiants. Et vous considérez les 110 étudiants qui sont aux études comme des demandeurs d'emploi. Ce n'est pas sérieux. Il y a d'autre part, on le sait très bien, des personnes qui sont malheureusement inaptes sur le marché du travail, qui sont exclues du chômage, qui ne pourront jamais entrer sur le marché du travail et auxquelles il faut assurer des moyens de subsistance. Il y a aussi, vous le savez comme moi malheureusement, une série de la population qui s'adonne au stup, qui est hors marché du travail et qui émarge au RIS. Et on doit savoir qu'une partie de ce qui est versé par le RIS sert à payer les trafiquants de drogue, hein, mais ils ne sont pas disponibles sur le marché du travail. On ne va pas leur jeter la pierre, mais c'est une réalité. Alors, considérer que les 430 bénéficiaires du revenu d'intégration sont des demandeurs d'emploi vaillants qui vont au combat pour chercher du travail, si c'était le cas, j'ai mon temps à vous dire, on essaye, le premier échevin, le collège, d'avoir des articles 60, c'est-à-dire des personnes qui émergent au CPS, pour les occuper à la propreté urbaine, au nettoyage urbain. J'ai mon temps à vous dire, vous interrogez la présidente du CPS sur 400 personnes, pour avoir 3 volontaires, il faut se lever tôt. Hein. Donc, je signale ça parce que c'est une vérité. Alors, considérer comme des demandeurs d'emploi des gens qui ne le sont pas, c'est une méthode erronée de statistique incompréhensible par rapport aux autres pays européens et par rapport à la Flandre. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle du taux de l'indicateur de demande d'emploi qui ne tient pas compte de ces personnes. Au niveau wallon, au niveau du forum, on tient compte à la fois de l'indicateur de demande d'emploi et du taux de demande d'emploi, qui lui, effectivement, tient compte de ces personnes. Raison pour laquelle, à Andenne, par exemple, il y a un indicateur de demande d'emploi de 10,6 et un taux de demande d'emploi de 12,5. Et dans l'indicateur de demande d'emploi de 10,6, qui est quand même supérieur au 8% évoqué par Jawad, eh bien, ce taux-là, il est totalement révélateur de la situation réelle de la demande d'emploi. Point à la ligne. Maintenant, vous pouvez répliquer et dire à nouveau que j'ai tort, ce que vous ferez certainement. C'est la réalité des chiffres diffusés par le forum. Après, voilà, vous pouvez
prendre contact avec le Forum pour les interroger sur leur méthode de comptage, mais il est quand même assez, je trouve, un peu périlleux ou cavalier de considérer que le service public de l'emploi en Wallonie diffuse des données qui ne sont pas pertinentes. Je le considère comme voilà, tel. Ben bon, voilà, et pour le reste, considérer qu'il faut effectivement se retrousser les manches pour faire évoluer positivement des indicateurs qui, qu'on le veuille ou non, sont aujourd'hui en recul par rapport à la progression positive des indicateurs au niveau wallon et au niveau de l'arrondissement. Vous avez beau dire qu'on ne peut pas comparer des communes rurales avec des communes urbaines. Je veux bien, vous avez raison en ce sens qu'il y a une responsabilité quasi morale au niveau d'Andenne de créer de l'emploi, de créer de l'emploi au sein de l'économie endogène, ce qui n'est pas le cas des communes rurales. Ça, je vous donne raison. Mais néanmoins, si on tient compte de la mobilité des demandeurs d'emploi, elle est potentiellement la même à Andenne qu'à Fernelmont ou à Gèves. Oui, merci, Monsieur le Président. Ne vous inquiétez pas, ce serait beaucoup moins long que mes prédécesseurs sur le sujet, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Je voulais juste, premièrement, remercier le bourgmestre d'avoir rappelé que ADN avait soutenu ce développement économique et la création d'emplois. Néanmoins, il a dit que dans mes propos du précédent conseil communal, j'avais dit que le parc n'était pas utile. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Deux, par rapport aux chiffres, les chiffres sur lesquels je me suis basé pour faire l'analyse, monsieur le bourgmestre, sont les bons chiffres qui étaient dans le dossier. Donc, j'ai ici le dossier qui était présenté et qui était donc dans la FARD à consultation pour analyser le dossier pour les conseillers communaux. La présentation PowerPoint qui a été faite à la population sur le dossier, les chiffres s'y retrouvent. On a un total, donc avant agrandissement, de 4621 arts, dont 771 sont occupés, c'est 16,33%, et 922 arts sont en option, c'est-à-dire 19,95%. Si on additionne les deux, ça fait 36,28%. Ce sont les chiffres qui étaient dans le dossier. Si les chiffres en deux mois ont évolué, très bien. S'il y a eu une erreur dans les chiffres, OK, on peut l'entendre. Ça peut arriver. Et donc, voilà, c'est avec impatience que nous attendrons les nouveaux chiffres que vous allez nous communiquer. Mais donc, les données sur lesquelles je me suis basé et les calculs que j'ai faits étaient corrects. Je tiens quand même à rectifier, ne fût-ce que pour mon honneur personnel. Mais voilà, si maintenant les chiffres qui étaient dans le dossier qui nous a été communiqué n'étaient pas tout à fait complets, ou si le PowerPoint qui était présenté à la population comportait une absence de certaines données de dernière minute, ce que je peux tout à fait comprendre, je ne jette la pierre à personne, voilà, ça c'est, on en tirera les conclusions et on repartira de chiffres plus affinés que vous nous communiquerez. Dernier point que je voulais évoquer, vous avez parlé du plan EU Next Generation, qui est le plan que vient de lancer la Commission face à la crise du Covid pour justement essayer de redynamiser d'un point de vue économique les régions européennes. L'enveloppe de 750 milliards pour près de 250 régions, on va devoir se battre, clairement, pour avoir de l'argent. Mais il y a moyen. Et donc, si la Wallonie défend ses positions et parvient à décrocher une enveloppe, il est d'ores et déjà évident que les deux thématiques qui seront phares pour obtenir des projets dans ce budget EU Next Generation, ce sera tout l'aspect green, tous les développements de projets verts au niveau énergie, et tout un pan sur le numérique. Ce sont les deux grands chevaux de bataille de Mme von der Leyen, la présidente de la Commission. Et donc, d'ores et déjà, même si nous n'avons pas encore les détails exacts de tout ce plan, puisque vous savez que les négociations au niveau européen, entre autres au niveau budgétaire, ne sont pas toujours faciles, mais dès que nous y verrons plus clair, ces deux thématiques seront d'ores et déjà sur la table, et on peut déjà y réfléchir, peut-être avec le BEP. Et si je peux vous être d'une quelconque utile en matière d'information à ce sujet, ce sera avec beaucoup de plaisir, vous le savez bien, comme je l'ai déjà fait, si ça permet de valoriser Andenne et d'attirer sur Andenne des projets phares, c'est le cas de le dire, ce sera avec beaucoup de plaisir. Oui, très brièvement, je tiens à remercier M. Sermon pour le caractère constructif de sa proposition. C'est vrai que quand j'ai entendu qu'il y aurait ce bas de laine extraordinaire consacré par l'Europe à l'agence après Covid,
je me suis dit, il faut qu'Andaine essaie de tirer les marrons du feu. Mais ce n'est pas Andaine qui va présenter ce dossier à l'Europe, c'est la Wallonie. C'est pour ça que nous avons évoqué chez M. Borsu cette question. Donc, nous serons demandeurs de subventions dans des dossiers liés à la transition. Ça peut être une agriculture du futur. Ça peut être des projets de production d'énergie, de conservation de l'énergie. Enfin, tout cela, M. De Gelre est au courant de notre intention. Il a enregistré, ils y réfléchissent. Et les demandes wallonnes seront évidemment centralisées par les intercommunales de développement de chacune des provinces wallonnes. Mais en tout cas, nous sommes parmi les premiers à vouloir aller dans cette direction. Et je vous remercie pour votre offre de collaboration, dans la mesure où, au niveau régional, vous travaillez dans un service qui suit les subventions européennes. Par contre, par rapport au taux d'occupation, ce n'est pas une polémique, j'avais été très surpris de l'information que vous aviez citée, parce qu'elle ne cadrait pas avec celle dont je disposais. Et j'ai été tellement surpris que le lendemain du Conseil communal du 22, j'ai écrit à M. De Gelre pour lui dire « Mais qu'en est-il des occupations ?» Parce qu'au Conseil communal, on m'a parlé d'un taux d'occupation tellement bas que je ne comprenais pas. Et le 1er juillet, c'est le document qui sera communiqué à tous les conseillers. M. André, qui est le collaborateur de M. De Gelre, m'écrivait à 11h précises, ça ne s'invente pas, pour me communiquer le tableau de l'ensemble des réservations, tant de la Housseille que de Petit Waret. Donc les nouvelles sont bien plus positives que vous ne le pensiez, et on ne peut tous, vous y compris, que s'en réjouir. J'ai ici le PowerPoint, je viendrai après le conseil vous montrer les chiffres qui étaient dans le dossier. Oui. Oui, je vais être très courte, et peut-être piquante, je l'annonce déjà. Donc, c'était pour revenir à l'interpellation même. Donc, voilà, je voulais simplement de nouveau saluer cette deuxième interpellation d'un membre de la majorité. Et je constate donc que le streaming que j'avais proposé en son temps a du bon, finalement, donc pourvu que ça dure. Et donc, juste à l'avenir, nous encourageons tous les conseillers de la majorité à continuer à faire de nouvelles propositions plutôt que des interpellations de remerciements ou des interpellations qui nécessitent des réponses où on s'auto-louange sur le travail accompli, avec des questions et des réponses qu'on a déjà largement abordées précédemment. Donc voilà, je souhaite qu'on continue dans ce sens-là, si chaque conseiller pouvait, comme on le fait, donner son avis, faire des propositions, ce serait très constructif pour tout le conseil. Une petite réponse très brève. On fournira les chiffres, moi je fournirai les chiffres que j'ai trouvés, il n'y a pas de souci. Simplement dire que quand je dis Andaine, Omer Chéri, j'invite juste avant l'ensemble des conseillers communaux à être les ambassadeurs de la ville. Donc aussi, à toi nos cœurs, à toi nos bras. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je demande des éclaircissements sur la stratégie d'Andaine et je dresse un bilan, même par rapport à la Wallonie, qui m'inquiète personnellement. Donc, je trouvais pertinente la question. Il ne s'agissait pas de faire une auto-louange ou quoi que ce soit. Donc, je demande juste qu'on respecte les questions. J'avais envie de poser cette question-là. Et simplement, donc, on critique ou on ne pose pas. On critique, on se permet d'avoir des jugements de valeur sur les questions posées. Voilà, ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, M. Jawad. Mais moi, si je peux faire une petite conclusion là-dessus, ben, c'est tout simplement, avant les vacances et après, j'espère, du moins après le Covid, c'est de retenir quand même les paroles encourageantes de M. le bourgmestre sur ce qui se passe au zoning industriel de la Housseille, parce qu'il y a quand même un nombre important d'investisseurs qui arrivent, qui sont là, et ça, je crois que c'est quand même le rayon de soleil avant de la vacance qui se présente. Voilà. Nous pouvons passer maintenant au huis clos.